Ouais, quel site? Effectivement, il s'agit du grand four solaire de Deyo, le plus grand four solaire du monde, qui a été construit il y a plus de 40 ans par Félix Trombe, le grand pionnier mondial du solaire à concentration. Et aujourd'hui, c'est un site CNRS qui est occupé par un laboratoire, le laboratoire PROMESS, qui réunit à la fois des chercheurs CNRS et des enseignants-chercheurs de l'Université de Perpignan via Domitia. Alors en réalité, souvent on pense que le solaire, c'est du photovoltaïque. Ici, on découvre que c'est tout autre chose. C'est à la fois de la chimie solaire haute température jusqu'à plus de 1000 degrés. C'est la préparation des matériaux en conditions extrêmes pour des missions sur Mars ou des entrées atmosphériques. Enfin, des choses tout à fait étonnantes et qui dépassent largement ce que l'on attend effectivement du solaire. Bon, alors, il se trouve que rez-de-chaussée de ce bâtiment illustre, il y a une exposition permanente ouverte au public. Et je vais aller en profiter. Et je vous invite vraiment à venir visiter ce site tout à fait extraordinaire, dédié au solaire, et à profiter de cette exposition. Thank you.